Bonsoir à tout le monde. Enfin, là, j'invite un peu les personnes qui sont un peu plus loin, vu qu'il n'y a pas encore trop de foule, ça va peut-être arriver, à vous rapprocher. Enfin, voilà, n'hésitez pas à venir un petit peu plus près. Sachant que nous, on a pensé cette rencontre, vous présenter des éléments dans un premier temps, mais notre idée, c'est surtout d'avoir un échange. Questions-réponses, de pouvoir répondre, enfin, d'échanger sur le sujet, c'est ça qui nous semble plus important que vraiment faire, une masterclass sur le. Enfin, c'est pas trop le but. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher et pour qu'on puisse discuter de tout ça. On souhaitait vous présenter notre ouvrage. Je voulais commencer par dire que. Franck et moi, nous sommes coordinatrices de l'ouvrage, mais au final, on a de nombreux autres collègues qui ont contribué. Au final, il y a nos deux noms qui apparaissent sur la couverture, mais il y en a 16 au total, je crois, à avoir contribué. Donc certains sur des chapitres entiers, d'autres sur des petits encadrés ou des petites parties. Mais c'était vraiment un travail d'équipe. Donc un contributeur. Voilà, dans un contributeur, donc Raphaël Bovici est présent aujourd'hui. Donc vraiment souligner le travail d'équipe donc de notre laboratoire de recherche qui est donc IRMSN. Donc c'était un projet collectif au sein du laboratoire. Pourquoi aussi insister sur ce côté projet collectif? C'est parce que justement l'idée du projet, c'était de pouvoir apporter un regard pluriel. En fait, sur YouTube, mais donc sur ce qui a été notre objet de recherche pendant plusieurs années. Pluriel au sens, au sein de notre laboratoire, on est un laboratoire qu'on appelle pluridisciplinaire, avec plusieurs disciplines scientifiques, mais aussi plusieurs approches théoriques, plusieurs façons de faire de la recherche. Et ça a été l'occasion de croiser un petit peu tout ça, de fournir au final un produit de recherche. Qui permet d'explorer justement, enfin de montrer les différentes façons, enfin c'est pas exhaustif, mais différentes façons d'aborder un objet lié au numérique, lié aux médias, lié à la culture, avec différentes approches. Donc on retrouve dans cet ouvrage, comme c'est le cas dans notre laboratoire, des chercheurs en sciences de l'information et de la communication, des chercheurs qui s'inscrivent plus en sociologie, et des chercheurs-chercheuses, en l'occurrence en psychologie sociale, et aussi en termes de méthodologie, des choses assez diverses et variées. Bon, il y reviendra peut-être un petit peu plus tard sur le détail de comment on a pu mener des recherches sur YouTube. Parce que justement, donc, il s'agit d'un ouvrage donc, à la fois où on a voulu offrir un certain nombre d'éléments de compréhension de comment marche YouTube, au final, et de ceci à différents niveaux, mais aussi d'apporter des éléments plus originaux de recherche sur le sujet, qui sont le fruit d'un travail de terrain, donc avec différentes façons de faire, pour offrir de nouvelles connaissances, des nouvelles compréhensions à la fois de YouTube, mais aussi un petit peu plus largement de ce qui peut se passer dans l'univers qu'on est souvent confronté au quotidien des réseaux sociaux. Un élément de présentation. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que on est très fiers, on va dire, de ce produit fini, mais il faut savoir que ça n'a pas été un long fleuve tranquille et on n'a pas sorti le bouquin comme ça avec le plan, tous les chapitres, dès le début. Il y a quand même eu un gros travail pour réfléchir à comment faire en fait, parce que vous le savez sûrement par votre expérience personnelle, YouTube, c'est protéiforme, il y a énormément de portes d'entrée. Enfin, si on est juste sur l'aspect vidéo, c'est déjà des milliards de vidéos, des milliards d'utilisateurs en tout cas, ça c'est sûr.
Donc on peut, y a, au final, autant, enfin, peut-être pas, je ne sais pas si on pourrait dire des milliards, mais en tout cas, des milliers de façons d'aborder le sujet. Donc ça a été vraiment au départ un peu notre problème de départ, enfin problème au sens, pas problème de recherche, mais problème, difficulté. Comment appréhender ce sujet et aussi, bah, du coup, comment l'appréhender ensemble, en fait, avec différents chercheurs et chercheuses, quoi. Et donc, ce qui en a résulté, après maintes et maintes réunions, ça a été justement de se dire, bah, on va faire ressortir ce qu'on pense être une des forces de notre équipe de recherche, c'est-à-dire notre complémentarité. Et au lieu de faire quelque chose où, comment dire, peut-être quelque chose d'un petit peu artificiel, où chaque personne essaie de sondre dans un moule qu'il ou elle n'est pas, plutôt que bah, chaque personne apporte sa contribution, son regard un peu spécifique de chercheur ou chercheuse en sciences humaines et sociales. Et donc c'est ça le produit, voilà, notre ouvrage, pardon, est le produit de ce travail, d'apporter un regard varié, complémentaire, en fait, sur YouTube, et pouvoir apporter vraiment cette compréhension un petit peu plus fine, en fait, qu'on peut avoir en tant qu'utilisateur et utilisatrice, et essayer aussi d'apporter un peu de nuance sur un sujet qui, nous, on peut le voir justement un peu avec les échanges médias qu'on a pu avoir, ou des fois quand on en parle avec notre entourage, ces sujets qui fait souvent l'objet un peu de caricatures, soit c'est génial, c'est le monde un petit peu infini, on va connecter tout le monde, ou soit c'est le pire, où il n'y a que les extrêmes qui s'expriment, et de toute façon, les gens ne savent plus lire ou comprendre des choses, ils savent juste regarder des vidéos, c'est n'importe quoi. Donc c'est vrai que, voilà, il y avait, on voulait apporter un peu ces éléments de nuance, et ceci à différents niveaux, sur les différentes facettes, justement, qui peuvent permettre de comprendre YouTube. Rajouter un petit mot sur l'introduction. Non, mais juste par rapport à la conférence au projet général, déjà je voudrais remercier les personnels de l'ABSN, hein, pour organiser ce cycle de conférences. En plus, je trouve dans un lieu qui est vraiment parfait. Voilà, c'est vraiment un beau campus maintenant. Je trouve que c'est tout à fait agréable de présenter ça ici en présence d'étudiants, de collègues aussi, mais avec également des étudiants qui continuent à travailler à côté. Enfin, je trouve ça très très sympa. Et puis par ailleurs, je voudrais remercier aussi l'éditeur CF Édition. Donc, Nicolas est ici, mais également Hervé Lecronier, qui nous ont vraiment accompagnés dans ce travail. Et je peux le dire, puisque comme je suis un petit peu vieux maintenant, j'ai un petit peu l'expérience d'avoir travaillé avec plusieurs éditeurs. C'est un vrai travail éditorial qui a été mené, au sens où cet éditeur ne se soucie pas uniquement de tout ce qui va être la relecture, la maquette, et puis ensuite la vie de l'ouvrage, mais vraiment accompagne sur le plan intellectuel la mise en cohérence à la fois des chapitres, des titres, le fait de parfois supprimer certains passages qui peuvent être un peu longs, de développer ou d'illustrer par un chapitre ou une image d'autre. Donc c'est un vrai travail éditorial, donc je vous invite vraiment à aller regarder sur la table à côté, non seulement notre ouvrage, mais aussi tout un tas d'ouvrages qui sont publiés par CF, qui sont vraiment très bien réalisés. Voilà, donc c'était juste pour revenir sur le projet d'ensemble pour l'instant et les remerciements, mais ensuite je reviendrai plus sur le fond. Okay. Alors, ce qu'on a prévu de faire, c'est en suivant un peu la trame de l'ouvrage, de revenir au départ un peu sur, si on pourrait dire un petit peu quelques fondamentaux, ou en tout cas grands éléments sur YouTube. Voilà, du coup... Donc, je ne sais pas si c'est visible ou on pourrait trouver que ce soit un peu plus loin. Encore une fois, je vous invite à vous rapprocher. Alors, comment on a pensé justement l'organisation de l'ouvrage? Encore une fois, ce n'était pas la première pensée, mais au fur et à mesure, ça s'est construit. C'était d'aborder la compréhension, en fait, de ce que peut être YouTube par trois facettes principales, qui après, bien sûr, se précisent. Une première facette technosémiotique qui renvoie aussi à des champs de recherche, en fait, sur les médias et notamment les médias numériques, donc cette facette technosémiotique renvoie à la compréhension de tout ce qui est tout ce qui fait le genre, en fait, YouTube, c'est-à-dire les formats qui peuvent être plus spécifiques à cette plateforme, et la mise en écran notamment des vidéos, puisque vous savez sans doute, je ne vous apprends rien en disant que YouTube est une plateforme de vidéos.
Donc il y a ce premier aspect, donc on va dire quelques mots ensuite. Ensuite, une facette socio-économique, donc est notre deuxième grand chapitre. Donc là, comme son nom l'indique, sur les aspects économiques, mais aussi sur les acteurs, les différents acteurs qui jouent un rôle en fait dans l'économie de YouTube, donc notamment l'économie de plateforme, la stratégie de plateforme sur laquelle on reviendra aussi. Parce que justement, bah voilà, YouTube, c'est pas juste YouTube, Google et puis un peu les gens qui regardent les vidéos. C'est aussi tout un ensemble d'acteurs qui ont une certaine forme d'organisation et des échanges qui s'organisent entre eux et qui font aussi ce que YouTube est aujourd'hui ou comment, du moins comment ça évolue. Donc c'est important, enfin il nous semble important pour des fois comprendre en fait pourquoi par exemple il y a telle vidéo qui apparaît, qui nous est recommandée ou pourquoi tel youtubeur, peut-être youtubeuse, sort du lot ou s'écroule. Bah, des fois, ce n'est pas que des questions de contenu vidéo, mais aussi des questions de stratégie économique qui peuvent être voilà, intéressantes à prendre en compte. Et enfin, la troisième facette qu'on a abordée, c'est la facette psychosociologique. Donc là, c'est plus sur le côté utilisateur-utilisatrice de la plateforme et ce qui se passe au final en termes d'interaction, de communauté qui existe autour des vidéos. Et donc savoir un petit peu ce que les gens font sur et avec YouTube, mais plutôt voilà, là côté utilisateur, utilisatrice. Peut-être Franck, je te laisse commencer sur, sur la première facette. Oui. Voilà, donc ça en fait c'est une copie d'écran de la première vidéo qui a été postée sur YouTube. C'est une pièce de musée, enfin vous pouvez la trouver en ligne sans problème. Et en fait la personne qui est à l'écran, c'est Jawed Karim, qui est en fait un des trois cofondateurs de YouTube, avec Chad Hurley et Stephen Chen. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ces trois personnes étaient au départ des salariés de PayPal. Donc PayPal, c'était une entreprise qui propose des solutions, des services de transactions en ligne, services de commerce électronique, pour le dire vite. Et ça me paraît assez intéressant parce que ça rejoint un petit peu la question qui nous a animé un petit peu tout au long de l'ouvrage. C'est cette idée que YouTube, c'est à la fois un espace qui permet une expression relativement libre, une expression individuelle, parce qu'on voit là, il est en train de se filmer dans un zoo. Hein. D'ailleurs, le titre de la vidéo, c'est « Me at the zoo », donc « Moi au zoo ». Très bien. Donc, elle dure 18 secondes, cette vidéo. Il s'extasie devant des éléphants. Donc, bon, voilà, ça veut dire qu'on peut vraiment poster un peu tout et n'importe quoi sur cette plateforme. Donc, de fait, il y a une vraie liberté. Mais en même temps, voilà, c'est quand même un salarié de PayPal. Hein, donc, il ne fait pas ça n'importe comment. Et il y a quand même l'idée que s'il crée un service, ce n'est pas uniquement dans un but philanthropique, mais il y a également une volonté d'en tirer une forme de revenu économique. Et voilà, donc ça me paraît quand même assez emblématique dès la première vidéo de ce qu'on a essayé de penser un petit peu toujours de façon dialectique. Dans cet ouvrage, hein, cette idée que c'est une plateforme qui autorise tout un tas d'initiatives, mais en même temps, les opérateurs de la plateforme ont également la volonté de l'orienter vers tel ou tel type d'usage pour pouvoir en tirer une forme d'exploitation. Quoi. Voilà, donc, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Alors peut-être juste pour compléter, ce qui est aussi un peu... marrant, si on pourrait dire, de remarquer, c'est que cette vidéo, elle a été postée en 2005, ça peut faire pareil vieux pour les plus jeunes d'entre nous ici, mais en fait, si on y réfléchit, aujourd'hui, en 2023, ça reste toujours le format YouTube. Au final, quand on pense YouTube, même si c'est pas forcément aux autres, on pense vidéo, face cam, bon, peut-être plus dans la chambre ou dans un endroit à la maison, mais c'est devenu le prototype de la vidéo. Une fois, ce n'est pas les vidéos majoritaires, puisque les recensements montrent que c'est plutôt c'est les vidéos de musique au final qui sont majoritaires. Mais quand on pense YouTube, on ne pense pas forcément clip vidéo ou vidéo de musique. On pense ce type de vidéo de quelqu'un qui raconte sa vie ou qui fait un sketch ou qui va nous expliquer quelque chose sur la vie au final. Et donc c'est assez intéressant au final, dans se replongeant dans l'histoire, de voir que c'était la première vidéo.
et que c'est resté, enfin c'est ça qui est devenu voilà, le format typique. Et aujourd'hui, même si ça a beaucoup évolué d'une certaine manière, on va discuter après un peu sur comment les acteurs ont pu se professionnaliser, bah, le format, lui, est resté et on ne retrouve pas peut-être de la même manière en fait, sur les autres, même s'il est aussi présent, mais peut-être de manière moins typique en fait, sur les autres réseaux sociaux. C'est vrai, tu as raison de le remarquer, hein, YouTube a le même âge que les étudiants de première année de l'université. Tendance à l'oublier. Alors, la deuxième vidéo, c'est un an plus tard. Et donc ça, en 2006, hein, c'est un petit peu, on va dire, le prototype, pour le coup, de ce qu'on a appelé par la suite les vlogs, hein, c'est-à-dire les blogs vidéo. Donc c'est une vidéo de la chaîne Lonely Girl 15, hein, donc la fille solitaire de 15 ans. Alors voilà, donc on voit cette adolescente, hein, qui se penche sur en fait sa vie tout à fait ordinaire, des événements de sa vie ordinaire, qui se confie, hein, et ça effectivement c'est un format à la fois facecam, hein, dans sa forme, mais également dans la diction et dans le type de contenu qui est narré. C'est la volonté de créer une sorte d'empathie, hein, par rapport à d'autres personnes qui vivraient le même type de situation et d'événements, donc principalement des jeunes filles du même âge, hein, donc qui se confient à la fois sur leurs études, leurs premiers ébats amoureux, leurs amis, leurs amitiés naissantes, etc. etc. Alors, sauf que tout cela est faux, en fait, hein, puisque cette personne-là n'a absolument pas 15 ans, elle a 19 ans, n'est absolument pas toute seule, hein, puisqu'il y a un scénariste qui lui écrit ses textes, et puis également un producteur qui a monté les vidéos par la suite. Donc là aussi, alors c'est pas parce qu'on cherche absolument à déconstruire toutes les images, mais ça aussi, ça nous a beaucoup occupé dans le tout au long de l'ouvrage, cette idée que finalement, il y avait toujours à la fois cette mise en scène d'une authenticité, hein, dans l'image, d'une proximité avec les internautes, mais en même temps bah, toute une construction avec souvent des collectifs de travail qui sont à l'œuvre derrière une personne qui est mise en scène de façon solitaire, mais en fait qui est largement accompagné dans cette entreprise. Mais pour la petite histoire, pour continuer un peu sur l'aspect économique, donc 2006, c'est aussi une date marquante dans l'histoire de YouTube, puisque c'est l'année où YouTube est racheté par Google. Google, qui n'était pas une très très vieille société, puisque Google avait été créé en 98, mais donc en 2006, elle acquiert YouTube. Continuer. Donc juste pour continuer, puis pour expliquer un peu cet aspect de facette technosémiotique. Donc la sémiotique, hein, c'est l'étude des significations, l'étude des formats, l'étude des signes. Donc je viens de le faire très rapidement ici, hein, en présentant la façon dont un personnage peut apparaître à l'image, en expliquant aussi ce qu'on veut mettre en scène par une image. Mais ce qui est tout à fait aussi intéressant avec les médias numériques, et en particulier YouTube, c'est qu'en dehors de l'image, on a aussi une mise en écran, hein, qui est extrêmement importante. Et là aussi, on a voulu insister là-dessus, et notamment par rapport à des travaux qui avaient pu être menés par rapport à l'image cinématographique ou l'image télévisuelle par le passé. C'est cette idée que, ben, à la fois, il y a une adaptation de l'image à chaque fois aux différents terminaux de consultation. Donc, on le voit ici, hein. En fait, ça, c'est des conseils qui sont donnés aux producteurs de vidéos pour YouTube, hein. Des conseils qui sont donnés par Google, justement, hein, pour justement jouer sur les différents formats entre un smartphone, un ordinateur portable, etc. Mais aussi, alors là, évidemment, vous ne pouvez pas le voir à l'écran. Si vous procurez l'ouvrage, vous pouvez le voir de plus près. Ou aller tout simplement sur le site de Google. Il faut fouiller un peu quand même pour arriver à cette illustration-là. Mais on indique, enfin, il y a des prescriptions qui sont faites aux créateurs de vidéos pour à la fois mettre en avant un nom de chaîne, hein, YouTube, qui soit plutôt accrocheur, de créer une playlist, c'est-à-dire une collection,
de vidéos qui ont une certaine cohérence éditoriale, et puis aussi de loger un certain nombre de boutons d'incitation à l'action, hein, de type like, j'aime, etc., poster un commentaire, etc., parce que ça aussi, c'est très important pour la plateforme qu'il y ait un nombre d'interactions maximales et que les personnes restent le plus longtemps sur la plateforme et un certain nombre d'interactions. Donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est quelque chose qui, jusqu'ici, était beaucoup moins présent dans les phénomènes de consultation visuelle qui se produisaient via le cinéma ou via la télévision. Donc ça, c'est un élément tout à fait important, le fait qu'il n'y a pas simplement une consultation des images, mais il y a également une appropriation du dispositif et une mise en action des internautes via ce visionnage. D'où l'idée d'approche technosémiotique pour analyser tout ça. Alors évidemment, ici, on le fait très rapidement, mais dans l'ouvrage, c'est beaucoup plus développé. Voilà, alors, le second chapitre, c'est toujours moi. Voilà, donc j'ai parlé de Google, donc, qui en 2006 rachète YouTube. En 2015 aussi, ça c'est intéressant. En fait, Google, qui devient un groupe énorme et assez tentaculaire, prend une logique beaucoup plus financière, hein, et notamment à sa tête une holding, c'est-à-dire une société qui n'a pas d'activité industrielle, hein, de production de biens ou de services, mais qui a simplement une activité financière de gestion d'activité. Et cette holding, elle s'appelle Alphabet. Hein, vous en avez peut-être déjà entendu parler, de la même façon que depuis Meta, hein, est devenue la holding de Facebook, d'Instagram, de WhatsApp, etc. Donc, c'est ce qu'on a représenté ici. Et ça aussi, ça nous paraissait important de montrer que YouTube, c'est un élément parmi d'autres, finalement, hein, dans l'ensemble des activités d'Alphabet. Donc, puisque YouTube et Google sont... YouTube et d'autres filiales comme Android sont rattachées à Google. Google comme Waymo. En fait, Waymo, c'est la branche véhicule, hein, notamment tout ce qui est véhicule dit intelligent, véhicule autonome, piloté uniquement par électronique, qui est une autre filiale de Google. Tout ça est rattaché à Alphabet. Alors, pourquoi il faut avoir ça en tête? Parce que sur le plan économique, ce qui est très important dans l'économie de Google et d'Alphabet, c'est de pouvoir profiter des apprentissages, des requêtes des utilisateurs, de leur façon de se comporter. Donc aussi bien lorsqu'ils font des recherches pour consulter une vidéo, que lorsqu'ils vont regarder leur mail avec Gmail, que lorsqu'ils vont être dans une voiture et voir quels sont leurs réflexes, etc., etc. En fait, toute la plus-value que produit Google, c'est de pouvoir mettre en équation informatique un certain nombre de comportements dont ils captent des traces via à la fois des moteurs de recherche, la réaction à des vidéos ou encore le fait de se comporter de telle ou telle manière dans un véhicule. Donc, c'est toute une économie de la data, hein, de la donnée, donc des traces de comportement qui est vraiment au cœur de ce que fait Google et Alphabet. Ouais. Avant justement que tu abordes la stratégie de plateforme en fait, de YouTube, mais qui ressemble à ce que peut être sur d'autres réseaux sociaux et numériques. Je trouve qu'il y a je ne sais pas si tout le monde a forcément ça en tête en utilisant YouTube, c'est de le replacer dans Google, dans Alphabet. C'est se replacer aussi l'idée que ce n'est pas une entreprise philanthropique. En fait, contrairement à des fois leur slogan, on va être là pour aider que tout le monde puisse s'exprimer, même les minorités, etc. Alors, certes, ça peut le permettre, mais c'est avant tout une entreprise qui cherche à faire de l'argent. Alors, c'est vrai que je pense que ces dernières... les personnes qui ont peut-être moins connu YouTube... je dirais, ces débuts, ou en tout cas, il y a une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus prégnant parce que la pub est beaucoup plus présente. C'était quand même moins le cas avant. Avant, on pouvait regarder beaucoup plus YouTube sans avoir forcément une minute de publicité ou des coupures pub toutes les minutes. Mais c'est vrai que des fois, je pense qu'on peut, en tant qu'utilisateur ou de voir c'est génial, je peux regarder telle vidéo gratuitement, etc., etc. Donc certes, il y a le côté gratuit pour l'utilisateur, mais il y a quand même tout un modèle économique derrière.
Et au final, leur idée, c'est pas juste que vous regardiez des vidéos, soit pour vous divertir, pour vous cultiver, etc. C'est que vous regardiez des vidéos pour pouvoir vendre justement ces écrans publicitaires et aussi après capter d'autres informations qui peuvent leur servir pour d'autres activités. Donc il ne s'agit pas là de dire justement, bon, bah, parce que c'est commercial, il ne faut pas l'utiliser, mais simplement, encore une fois, en avoir conscience pour bah, avoir conscience de ce qu'on fait lorsqu'on va regarder des vidéos, s'abonner, etc. Et aussi ce qu'on peut permettre de faire, notamment aux créateurs et créatrices qui peuvent réussir à générer du revenu avec cette activité. Donc, pour justement comprendre un peu mieux comment... D'ailleurs, je complète avec une remarque à usage interne et un peu cynique. Lorsque Google propose aussi ses services gratuitement à une université, elle bénéficie de l'apprentissage que confèrent 15 000 étudiants chaque jour, un bon millier de personnel de l'université en allant sur le Drive, en allant sur Gmail, etc. C'est ce qui est le cas dans cette université. Voilà. Bon. J'en viens maintenant au point suivant. Voilà, donc c'est pour donner une idée quand même voilà, des recettes hein, qui sont générées par cette activité, donc essentiellement à partir de la publicité. Alors c'est une publicité hein, sur Internet qui est un peu différente là encore de celle de la télévision, pour le dire vite, parce que c'est une publicité ciblée qui peut s'appuyer justement sur les données qui sont récoltées à propos des utilisateurs. Donc, on peut plus facilement les identifier qu'avec les médias classiques, justement, parce qu'ils laissent un certain nombre de traces numériques. Et ce qui fait que désormais, les grands acteurs du numérique concurrencent et dépassent très, très largement les acteurs médiatiques classiques par rapport à la vente d'espaces publicitaires. Donc, ici, vous en avez un petit exemple. Alors, ça date de 2020. Donc, pour le dire vite, Alphabet en 2020, c'est un chiffre d'affaires d'à peu près 180 milliards de dollars. À titre de comparaison, le budget de l'État français, c'est autour de 350 millions, milliards d'euros. Hein, donc, c'est la moitié hein, quasiment du budget de l'État français. Donc, c'est quand même une très, 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 très grosse entreprise. Là-dedans, le chiffre d'affaires publicitaire en tant que tel, c'est vraiment les recettes issues de la publicité. C'est à peu près, alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais. Pour Alphabet, c'était 182, les revenus publicitaires de Google, c'était 146, et YouTube, 19. Alors, on pourrait se dire, bah, c'est pas beaucoup finalement, 19 milliards, pour YouTube, si, c'est quand même beaucoup. À titre d'exemple, encore, cette année-là, le chiffre d'affaires publicitaire de TF1, c'est 1,5 milliard, le chiffre d'affaires de M6, c'est moins d'un milliard. Hein. Donc, YouTube, c'est quand même une très, très grosse entreprise qui vraiment génère des revenus très importants en matière de publicité, encore une fois, hein, j'insiste là-dessus, notamment en s'appuyant sur un ciblage des internautes pour proposer des vidéos qui sont des spots publicitaires qui sont incrustés dans les vidéos, des liens publicitaires, des liens sponsorisés qui sont incrustés à la suite des requêtes dans les vidéos et qui plaisent particulièrement aux annonceurs parce que on peut cibler davantage la personne qui génère la requête. Voilà. Et dernière chose donc sur l'aspect socio-économique. Donc là, j'ai parlé essentiellement de tout ce qui concernait à la fois les aspects financiers, la structure capitalistique hein, entre YouTube, Google et Alphabet, les aspects économiques avec les montants des recettes publicitaires de YouTube et l'appui sur l'exploitation des données. À un niveau un peu plus socio-économique, donc quand on s'intéresse aux acteurs qui sont impliqués dans cette activité, donc là, avec YouTube, on a quelque chose qui aujourd'hui est très, très connu. Hein, c'est un mécanisme de plateforme, c'est-à-dire que l'opérateur de la plateforme, YouTube, son service principal, ça va être de mettre en relation plusieurs catégories d'acteurs. Donc ici, on a trois catégories d'acteurs principalement. Donc on a les fournisseurs de vidéos, donc qui peuvent être des fournisseurs amateurs, hein, des youtubeurs amateurs, des youtubeuses amateurs qui vont créer un tutoriel beauté, qui vont faire une petite vidéo... de mariage, etc., etc. On va avoir aussi des fournisseurs professionnels, hein, donc c'est les grandes maisons de disques qui vont proposer des clips, les chaînes de télévision qui, de temps en temps, vont donner des extraits de leur programme. À côté de ça, un deuxième type d'acteurs, c'est justement les utilisateurs, hein, les internautes en tant que tels, donc ils vont venir consulter les vidéos. Puis le troisième type d'acteurs,
Ce sont les annonceurs hein, qui, eux, sont intéressés pour placer des espaces publicitaires. Et donc là, le rôle de la plateforme, c'est de rendre le service attractif pour les trois parties. Hein. Donc en fait, elle rend le service attractif pour les fournisseurs de vidéos, tout simplement en faisant un service gratuit, hein, puisque c'est gratuit de poster sa vidéo et YouTube se charge de la mise en ligne de la vidéo et donc de la diffusion d'une certaine façon. C'est un service qui est également gratuit pour les utilisateurs hein, qui peuvent consulter les vidéos de façon gratuite. Et en revanche, c'est un service qui est payant pour les annonceurs, pour y placer des spots publicitaires ou pour y placer des liens sponsorisés. Et donc, pourquoi est-ce que les annonceurs viennent sur cette plateforme? Parce que tout simplement, ils savent qu'il y aura un grand nombre à la fois de vidéos qui seront fournies, qui elles-mêmes vont attirer un grand nombre d'internautes. Et donc, il y a un cercle vertueux qui s'enchaîne comme cela, et d'autant plus fort que grâce, encore une fois, à l'exploitation des données, la plateforme est en mesure de maintenir très longtemps sur son espace les différents utilisateurs, notamment en s'appuyant sur les données pour faire des recommandations de vidéos qui vont inciter les personnes à rester sur la plateforme, à consulter d'autres vidéos, etc. etc. Voilà, donc c'était juste pour terminer sur cet aspect socio-économique. Oui, très rapidement, il y a aussi ce qui, enfin, là où on voit justement l'imbrication en fait des intérêts, c'est quand la machine s'enraye un petit peu. Parce que justement, YouTube, Google, on va dire, l'objectif c'est vraiment de préserver les intérêts des trois types d'acteurs. Et notamment, voilà, le problème se pose, donc ça fait l'objet d'un chapitre dans l'ouvrage. Lorsqu'il y a des scandales, en fait, notamment par rapport aux vidéos, aux types de vidéos qui peuvent être postées. Donc, je ne sais pas si vous avez quelques souvenirs d'éléments d'actualité, mais on en a plus parlé, il me semble, voilà, aux États-Unis, dans le contexte états-unien. Et donc, voilà, ça peut poser problème quand, par exemple, il y a un YouTuber super connu, enfin, qui a énormément d'audience, qui va poster une vidéo antisémite ou voilà, quelque chose de raciste. Et ben en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, ça donne une mauvaise image de YouTube, et du coup, les annonceurs disent, attendez, nous, on va pas associer l'image de nos marques avec vos vidéos, par exemple, racistes ou antisémites, donc on va retirer nos pubs. Donc là, Google, attention, voilà, ils sont obligés ensuite de mener des actions de modération, des contenus, enfin, de trouver des stratégies pour dire, vous inquiétez pas, chez nous, tout va bien, voilà, il n'y a que des contenus safe pour tout le monde, il n'y aura pas de soucis. Voilà, donc il y a vraiment ce travail. Enfin, on peut penser qu'un peu ça marche tout seul, hein, entre guillemets. Voilà, les gens posent des vidéos, on regarde, les gens achètent de la pub, et puis voilà. Mais non, il y a ce travail de justement faire attention que tout marche toujours bien pour, encore une fois, générer de l'argent, mais s'assurer que ceux qui amènent l'argent, qui sont les annonceurs, aient toujours envie d'être là. Et donc, ça implique aussi de garantir une audience, donc de garantir que les utilisateurs restent accrochés à leur écran, ou en tout cas, ils viennent le plus souvent possible. Donc ça se joue, on voit je pense que vous avez pu voir les évolutions de l'interface, notamment sur mobile, qui sont plus les mêmes, enfin voilà, ça évolue assez rapidement. Il y a aussi tous les services qui vont fournir aux créateurs et créatrices, de suivi de leur audience, que nous, on n'a pas forcément accès lorsqu'on visionne uniquement les vidéos. Donc il y a vraiment ce travail pour contenter tout le monde, que tout le monde reste, et justement que ce cercle vertueux s'entretienne. Et bien sûr, au final, il est surtout vertueux, enfin, même si nous, ça peut nous apporter des choses lorsqu'on visionne les choses, qu'on visionne les vidéos, 19 milliards, c'est aussi vertueux pour Google et Alphabet. Voilà. Ok, alors, donc on passe à la dernière facette. Donc la facette plus justement ce que font les utilisateurs et utilisatrices sur la chaîne, et notamment, enfin, je pense qu'on peut justement peut-être entendre aussi dans les médias l'aspect communauté en fait qui peut exister sur la plateforme. Alors, ce qui je pense une des choses à comprendre, après je pense qu'on peut aussi peut-être le vivre des fois soi-même lorsqu'on utilise YouTube, c'est que par rapport à d'autres réseaux, donc si on compare un peu aux plus connus, notamment Facebook, Twitter, enfin X, Instagram, YouTube est organisé un petit peu différemment. C'est-à-dire que YouTube est organisé plutôt sur la base de communautés d'intérêt, en fait,
C'est-à-dire que en général, vous allez sur YouTube parce que vous cherchez un contenu en particulier, ou voilà, par exemple, il y a justement ce qui est intéressant et pas forcément facile en termes de recherche, enfin de recherche du côté recherche scientifique, c'est qu'il y a justement une diversité immense d'intérêts qui va, comme vous disiez, par exemple, du tuto beauté au tuto bricolage, mais aussi les personnes qui vont voilà, aller regarder des vidéos de vulgarisation scientifique ou de débats d'actualité. Les exemples me manquent, mais voilà, ces communautés sont vraiment très diverses et variées. Alors que si on compare avec d'autres réseaux, par exemple Facebook, vous n'allez pas en premier lieu pour partager vos passions, mais plus pour vous connecter avec les gens de la vraie vie, en fait, les gens que vous connaissez déjà ou des organisations, voire vous pouvez connaître de nouvelles personnes, mais ça commence par votre réseau existant hors ligne. Instagram, on pourrait dire qu'il y a un peu un mix des deux, où au début c'était plus aussi dans une logique de se connecter avec des gens qu'on connaît, ou voire découvrir d'autres comptes, mais on est aussi plutôt dans une logique voilà, de connexion, de compte à compte d'individus, alors que YouTube c'est plus découvrir en fait, ou se connecter à ses intérêts, et pas forcément à des individus ou des entités en particulier. Même s'il y a aussi cette possibilité d'abonnement, elle est moins essentielle au final à l'utilisation que peut l'être Facebook, ou sur Facebook ou sur Instagram. Enfin, je veux dire, Facebook, si vous n'avez pas de followers et que vous suivez personne, il ne se passe pas grand-chose, en fait. Alors que YouTube, vous pouvez ne pas avoir de compte, en fait, si vous consultez sur ordinateur, et pour autant, découvrir plein de contenus et avoir quand même aussi ces recommandations liées aux intérêts que vous affichez, en tout cas par vos visionnages, qui vont se créer quand bien même vous n'avez pas de compte en ligne. Donc ça c'est une différence importante et qui joue un rôle aussi sur justement les interactions et la création des communautés sur YouTube. Parce que justement parce que les gens y viennent avec un intérêt particulier, contrairement aux autres réseaux, il y a justement, encore une fois, ça se passe pas pour tout le monde et tout le temps, toutes les utilisations de YouTube qui sont liées à ça, mais on voit la création de réelles communautés, en fait, autour de différents intérêts, qui vont, justement, c'était pour moi assez intéressant quand j'avais fait la recension, mais la communauté YouTube drama, au final, qui s'intéresse au drama, donc au potin, au gossip, entre les stars de YouTube, notamment voilà, aux États-Unis, à des communautés très petites, par exemple sur les amateurs de chicha en France. En fait. Donc voilà, encore une fois, tout le monde peut y trouver son compte, voire même des fois, des communautés qui peuvent, on pourrait considérer comme négatives, on va dire, pour la société, où par exemple on retrouve négatives pour les individus, voire pour la société. Enfin, j'avais vu des travaux sur les communautés sur les personnes anorexiques au final, mais qui valorisaient en fait pas comme une maladie mais plutôt comme un mode de vie, qui pouvait valoriser le fait de s'alimenter très peu, ou aussi des personnes qui valorisaient les tueries de masse, en fait. Donc voilà, ça a du sympa et du beaucoup moins sympa, ce qu'on observe c'est qu'il y a vraiment des liens assez forts qui peuvent se nouer entre les personnes, quand bien même elles ne connaissent pas l'identité des autres, mais au final elles arrivent à se connaître, se reconnaître via les pseudos, via le fait de revenir en fait régulièrement sur les mêmes chaînes, sur les mêmes types de vidéos, et où se font les rencontres, dans les espaces de commentaires. Et lorsqu'on analyse les commentaires de certaines vidéos, parce que ce n'est pas toutes les chaînes qui donnent lieu à ce type de rencontres, on peut voir que justement les gens commentent en s'attendant justement à avoir des réponses de certaines personnes ou un certain type de réponse. Donc il y a comme ça des interactions, des connexions qui se font. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait nécessairement conscience de sa propre utilisation. Et donc qui se crée notamment autour en fait de chaînes ou d'ensembles de chaînes de youtubeurs et youtubeuses qui tournent, comme on a pu mettre sur le schéma, autour de thématiques en particulier. Donc c'est vrai que ça peut avoir encore une fois des aspects très bénéfiques et on pourrait dire profitables pour les individus
par exemple, notamment pour les personnes qui vont trouver un lieu d'expression et de rencontre, de partage avec sur des et qui peuvent être par contre isolées en fait hors ligne dans leur vie réelle, par exemple sur des personnes qui peuvent être atteintes de maladies graves comme des cancers ou des personnes issues de minorités qui n'auront pas forcément en fait accès à des personnes qui leur ressemblent dans leur environnement immédiat. Là au final par exemple quelqu'un qui appartient à une minorité sexuelle, il peut trouver d'autres gens qui partagent cet aspect-là dans leur vie, mais qui sont à l'autre bout du monde ou dans d'autres régions. Et après, des fois, ça donne lieu aussi à des rencontres hors ligne, quoi. Mais ça commence sur le réseau social, donc sur YouTube. Et ce qui est un petit peu moins existant, on va dire, par exemple, sur un réseau comme Facebook, où on est plus sur les personnes qu'on connaît déjà immédiatement. Et au final, peut-être pour finir sur cet aspect interaction et ce qui peut se passer dans les espaces de commentaires, encore une fois, un petit peu contrairement aux caricatures qui peuvent exister pas que sur YouTube, mais sur les réseaux sociaux, on peut se dire là on est sur des espaces où justement tout le monde est anonyme, on n'est que sur pseudo, donc les gens disent n'importe quoi, les gens se lâchent, s'insultent, etc. Alors oui, ça existe. Y a des gens qui viennent faire donc, ce qu'on appelle du trolling, c'est-à-dire juste mettre des commentaires négatifs ou faire du harcèlement en fait, tout simplement de certains créateurs et créatrices. Donc, souvent ça donne lieu aussi à la fermeture des espaces de commentaires ou à la suppression de commentaires. Mais en fait, les études montrent que globalement, la majorité des commentaires sur YouTube sont positifs. En fait. Et si on y réfléchit, ça fait sens en fait, parce que vous avez juste à regarder. Allez regarder votre clip vidéo préféré, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des centaines de commentaires sur « Ah, j'adore ce morceau, c'est super »,« Ah, moi aussi, trop bien, on aime ce truc, c'est génial », etc. Pareil, si vous regardez les vidéos de tutoriels, il suffit que ce soit un petit peu bien fait, que les gens aient trouvé leur compte, commentaires positifs. Enfin, tout le monde ne commente pas, mais il y a beaucoup aussi de félicitations, d'approbation en fait, qui se fait, et aussi donc notamment au sein des communautés, les gens se trouvent des choses à partager et donc s'encouragent aussi dans ces échanges. Donc c'est pour nuancer un petit peu le côté comme on est anonyme, on va forcément s'insulter sur la plateforme. Donc encore une fois, je dis pas que ça existe pas, hein, c'est très clairement présent, mais il y a aussi des choses très très positives, voire aussi constructives. Nous, on a analysé, par exemple, des commentaires, des vidéos du Monde. Y a des gens qui ont des vrais débats, en fait, dans les espaces de commentaires. Enfin, des fois, vous pouvez voir, il y a des chaînes de commentaires de 40, 50, 50 commentaires à la suite. Et les gens argumentent, se répondent, etc. Donc, il peut y avoir aussi des choses intéressantes et constructives. Non, je pense que maintenant on peut peut-être laisser un temps pour les. C'est ce que j'allais dire. Au final, on a quand même pas mal parlé. Donc nous on a fait un peu notre présentation. Il y a encore une fois plein de choses à découvrir sur le sujet. Sachant peut-être mettre un petit peu en fond d'écran. Ça c'est la première partie de l'ouvrage qui permet de dresser un tableau un peu panoramique de YouTube, de son fonctionnement, de ses différents aspects. Et ensuite, la deuxième partie c'est ce qui est indiqué ici. La deuxième partie de l'ouvrage décline en fait chacune de ces facettes avec plusieurs cas d'études. En fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions quand c'est déjà sur la première partie. Je Bonjour, Frédéric Roland. Je me posais une question. Par contre, en vous écoutant, j'étais un peu surpris d'une chose, c'est que vous n'avez pas parlé de droit, en fait. Parce que la grande question que je me pose par rapport à YouTube depuis les débuts, et en étant responsable, par exemple, de ce qui est derrière vous, de Cinémathèque, etc., physique, c'est la question des usages et du droit. Et finalement, la chose assez intéressante et troublante pour moi, qui suis dans le monde physique, c'est qu'en fait, YouTube, avec une petite force de cynisme aussi, a réussi à inverser le paradigme et finalement à rendre légal ce qui est complètement au départ illégal à de nombreux titres. Beaucoup d'exemples divers par rapport à ça. Donc finalement, est-ce que vous en parlez un peu ou quelle est votre observation sur ce sujet? Alors on en parle un peu à propos de la musique. Mais alors notre constat sera un petit peu plus nuancé que le vôtre.
C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution dans le temps. C'est vrai que dans les premières années, par exemple, les droits de propriété intellectuelle n'étaient absolument pas respectés. Mais quand même, assez rapidement, c'était le cas. Et à tel point que YouTube a mis en place un dispositif d'identification des contenus, de Content ID. Identification par la data des droits de propriété intellectuelle. Et en particulier pour la musique, c'est complètement le cas. Alors, souvent, ce qui s'est passé, bon, ça nécessite de rentrer un petit peu dans des éléments juridiques, mais il y a un petit peu deux statuts sur l'Internet. Hein. Il y a le statut d'hébergeur et le statut d'éditeur. Donc YouTube était considéré comme un hébergeur. C'est-à-dire qu'il n'a pas à exercer un contrôle a priori sur les contenus qui sont mis en ligne, mais simplement a posteriori. Donc il a une obligation de vérifier que les droits de propriété intellectuelle sont respectés une fois que les vidéos sont mises en ligne. Ce qui lui laisse quand même une latitude pour le faire ou non. Mais quand même, depuis plusieurs années, c'est particulièrement le cas, à tel point que certains créateurs s'en plaignent en disant que notamment une des formes un peu vernaculaires de l'esthétique YouTube, on a parlé du facecam, mais il y a également tout ce qui concerne le sample, le mashup, hein, la composition en fait avec des extraits de plusieurs œuvres qui ne sont pas libres de droit, mais qui assemblées forment une nouvelle création en quelque sorte. Ben ça, c'est de plus en plus difficile de le faire pour les youtubeurs, parce que justement, il y a une restriction du point de vue juridique de ce point de vue-là. Voilà. Pour répondre seulement sur l'aspect musical, qui est le seul qu'on a travaillé, mais on n'a pas travaillé l'aspect cinématographique en tant que tel. D'autres questions ? Je voulais savoir si les points que vous aviez abordés, ils sont valables du coup pour tous les utilisateurs ou si ça changeait selon les types de publics ou les communautés qu'il y a justement. Alors, je dirais plutôt non, en fait. Mais alors, déjà, en fait, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart des utilisateurs ne font que regarder, en fait. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais la très, très, très grande majorité, voilà, ne fait que regarder des vidéos. Donc, les gens, c'est vrai qu'il faut considérer que les gens qui s'impliquent sur YouTube, en fait, au final, on peut le voir de deux manières, on va dire, soit les personnes qui sont, enfin, sans être professionnelles, qui vont quand même être créateurs et poster des vidéos. Donc, il y a cette forme d'implication qui est la plus poussée, au final. Mais les autres personnes qui vont s'impliquer, en ayant des interactions type commentaires ou adressage de commentaires aux créateurs et créatrices, celles-ci sont présentes, mais à l'échelle du milliard, enfin des milliards d'utilisateurs sur YouTube, représentent quand même une minorité. Néanmoins, c'est en quelque sorte la minorité visible en fait sur la plateforme, et notamment lorsqu'on veut étudier ce qui se passe, on est obligé de faire avec les traces qui sont laissées par les utilisateurs et utilisatrices. Et donc c'est ces personnes dont on voit le plus l'activité. Quoi. Mais donc l'activité principale reste le visionnage au final. Donc c'est vrai que c'est quand même à nuancer sur qu'est-ce qu'on fait sur YouTube. Principalement on regarde des vidéos. Après une partie, s'implique suffisamment. Enfin déjà c'est un degré un petit peu supérieur de par exemple de liker et de s'abonner au final. C'est un degré un peu supérieur d'interaction, et ensuite le commentaire, et après voir vraiment le commentaire régulier ou le visionnage. Enfin, au final, on peut aussi. Il y a des gens qui regardent tous les jours des vidéos ou très régulièrement certaines chaînes sans jamais s'abonner ou sans jamais commenter, et ça en fait quand même des utilisateurs réguliers. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un spectre assez large et diversifié en fait de types d'utilisation. Et encore une fois, qui invite à être dans la nuance en fait de ce qu'est YouTube ou de ce que les gens en font. Et là, quand je parlais tout à l'heure des communautés qui peuvent être très soudées, très actives, oui, ça existe. Il faudrait sûrement plutôt une minorité des personnes qui utilisent YouTube. Mais ça existe aussi la personne. Enfin, on peut considérer que c'est aussi un utilisateur, la personne qui va utiliser deux, trois fois pour regarder ses tutos de bricolage. Mais ça va l'être, peut-être pas au même titre, mais en tout cas, c'en est un aussi et qui compte dans les stats de YouTube.
Donc voilà, après, si on est juste sur les communautés en elles-mêmes, on va retrouver des caractéristiques similaires, on va dire, sur la façon dont se met en place et dont communiquent les personnes entre elles au sein d'une communauté, donc, notamment qui est orientée par la structure de la plateforme, en fait, sur le fait que ça se fait par le texte, en fait. Et donc, on va avoir en fait, des effets, notamment dans la façon d'utiliser le langage par des expressions, des façons de s'exprimer pour justement se reconnaître entre membres de la communauté et reconnaître un peu les outsiders. Donc ça, on retrouve quand même des similarités, un peu quelles que soient les thématiques. Mais après, sur le côté, je dirais, un petit peu interaction positive, le fait qu'il y ait de la violence ou pas dans les échanges, etc. Ça va quand même varier un peu selon les sujets ou les thématiques abordées. Quoi. Donc les caractéristiques qui vont être plutôt communes, c'est celles qui vont être plutôt orientées, même si encore une fois, il ne faut pas considérer que les gens sont totalement passifs, ils s'approprient aussi les choses par la structure, à ce que leur permet en fait la plateforme, notamment en termes d'interaction. C'est juste pour avoir un ordre de grandeur. Depuis que les réseaux sociaux numériques sont étudiés, les plateformes de façon plus générale, il y a une règle qui se retrouve grosso modo à peu près dans les usages, ce qu'on appelle le 1-9-90. C'est-à-dire qu'il y a 1% des personnes à peu près qui créent véritablement des contenus, 9% qui sont dans l'interaction en commentant, voire même en likant, tout simplement en manifestant en fait une appréciation ou une mésappréciation. Et puis 90% qui en fait se contentent simplement de consulter, de visionner, de regarder, de lire, etc. Alors, c'est pas exactement ces proportions, ça varie selon les réseaux sociaux numériques, mais c'est juste pour avoir des ordres de proportions. Donc effectivement, les 90% qui se contentent de consulter, bah, nous on les a pas trop étudiés dans cet ouvrage. Voilà. Mais c'est pas forcément ce qui est le plus innovant par rapport à ce qui existait dans les médias précédents. C'est plutôt ceux qui créent du contenu et ceux qui interagissent qui constitue un phénomène innovant par rapport à ce qu'on connaissait des médias précédents. Donc, c'était quand même, nous a semblé plus opportun de porter la focale sur ce type d'utilisateurs. Ça me fait penser, alors peut-être qu'il y aura plus, je ne sais pas, je te prends peut-être un peu à froid, tu auras rajouté quelque chose. C'est que, néanmoins, une réflexion qu'on s'était faite, parce qu'on a parlé d'ouvrage aussi avec un média hier. Peut-être aussi une caractéristique de YouTube, c'est aussi qu'on y va quand même pour voir autre chose que ce qu'on voit à la télé. C'est-à-dire que des fois il y a un peu cette représentation aussi, ah bah c'est bon, YouTube c'est juste la télé sur ordinateur. Enfin, on connaît pas trop la télé sur ordinateur, enfin ou sur téléphone, hein. Ou maintenant c'est que des rediffusions, d'images ou des choses qui ont déjà été produites ailleurs. Mais oui et non, quoi, en fait. Oui, c'est une grosse partie de ça, mais sur des thématiques justement d'intérêt, les gens ils vont aussi pour avoir d'autres discours, découvrir des choses, etc. Et c'est notamment, il me semble, une des choses que tu montrais dans ton travail sur les vidéos médias critiques de gauche, où là, appel à justement mener des entretiens avec des personnes qui regardaient des vidéos, qui critiquaient les médias en fait, et avec plutôt orienté avec une orientation politique de gauche. Et des gens qui, des fois, pouvaient faire que regarder des vidéos, il me semble. Et une des choses qui ressortait, c'est que les gens y apprenaient des choses qu'ils n'auraient pas appris nécessairement, soit dans leur cercle de socialisation, ou soit via les médias traditionnels. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Après. Merci beaucoup. alors effectivement, moi j'avais fait des entretiens avec des gens en plus plutôt jeunes en général, qui étaient souvent étudiants, alors pas que, mais il y avait pas mal de gens qui avaient ce profil-là, donc qui étaient des utilisateurs ordinaires, hein, aucun d'entre eux ne produisait de contenu sur YouTube, c'était tous des gens qui aimaient bien justement tout ce qui était vidéo politique, comme on peut les voir sur la plateforme. Et effectivement, ce qu'ils appréciaient particulièrement dans ce format, c'était déjà que c'était beaucoup plus digeste pour avoir des informations. En tant qu'étudiant, par exemple, même si on vous donne des choses à lire et que c'est important de lire, il y a des fois des vidéos qui peuvent vous permettre de faire le raccourci, qui peuvent être dans des formats qui sont beaucoup plus facilement assimilables que ce que vous pouvez avoir dans les livres, par exemple. Il y a également beaucoup le fait d'être autonome dans ces pratiques.
par rapport à la télé qui justement c'est des contenus flux où on subit un peu la programmation des chaînes, bah là sur YouTube les gens peuvent faire eux-mêmes leur propre programmation, ils peuvent eux-mêmes choisir ce qu'ils regardent et c'est quand même une transformation assez importante dans les pratiques et notamment du point de vue de la politique puisqu'on peut vraiment être submergé, enfin être s'immerger dans un environnement idéologique qui va être très minoritaire à la télévision. Moi, j'avais étudié les vidéos du Jules, qui est très à gauche. Les positions de ce youtubeur dans les médias, elles sont pas majoritaires. Bon, elles existent un peu avec la France Insoumise, mais même avant la France Insoumise, c'était quand même des positions d'extrême gauche qui étaient très minoritaires. Bah, avec YouTube, il y a possibilité de s'immerger dans un univers idéologique qui va être très peu présent dans les grands médias, mais dans son univers à soi, ça va être le discours majoritaire. Ce qui soulève la question justement des bulles de filtre et des phénomènes d'exposition sélective. Donc juste pour dire un rappel qui est le contributeur du chapitre 8 et qui est doctorant. Hein, donc juste pour dire aussi que c'est un travail qui est associé au sein de notre équipe de recherche, à la fois des chercheurs confirmés et puis des chercheurs qui étaient plutôt en voie d'apprentissage, des étudiants-chercheurs. Du coup, moi j'avais une question, c'était que vous avez parlé de Facebook qui marchait plus avec les contacts qu'on avait dans la vraie vie et YouTube avec les centres d'intérêt. Du coup, je me demandais où vous placeriez TikTok, comment fonctionne TikTok et quelle est la principale différence selon vous entre YouTube et TikTok? Ça répond. Alors, c'est pas évident de répondre parce qu'on n'a pas fait une étude approfondie de TikTok. Alors, j'irais une des premières choses. Enfin, TikTok effectivement est venu se placer sur un segment proche de celui de YouTube qui était la vidéo au final. YouTube était un peu plus seul, même si Instagram commençait aussi à intégrer de plus en plus de vidéos, était un peu plus seul sur ce segment. Néanmoins, bah justement, une comparaison que Franck faisait, on pourrait peut-être dire que YouTube, c'est un peu le Twitter de YouTube, au sens où... TikTok est le Twitter de YouTube. Alors, je ne sais pas sur TikTok s'il y a autant une limite sur la durée des vidéos, mais je sais que les créateurs sont encouragés à faire des vidéos très courtes et puis aussi à reprendre, parce qu'il y a un peu différent de Twitter, mais des, si on pourrait dire, comment on appelle ça, un peu des schémas, on va dire, préexistants, quoi, avec à reprendre des choses, quoi, en fait. Et donc, au final, ça donne quand même lieu à un contenu assez différent que ce qu'on peut trouver sur YouTube. Alors certes, YouTube, en réponse à TikTok, en réponse aussi à ce qui se fait sur Instagram avec les réels, a développé les shorts, en fait, qui sont bah, pareil, des petites vidéos de 20-30 secondes, c'est peut-être, je ne sais plus quelle est la limite maximale, qui ressemble beaucoup aux vidéos TikTok. Mais néanmoins, ça n'a pas fait disparaître le contenu plus approfondi, plus développé et plus diversifié aussi. Qu'on peut trouver sur YouTube, quoi. Et ce qu'on disait notamment, c'était que un peu aussi en écho à ce que disait Raphaël juste avant, c'est que sur YouTube, encore une fois, même si c'est pas la majorité des vidéos, etc., il y a des contenus qui sont vraiment très fouillés, par exemple en termes de vulgarisation scientifique ou sur différents sujets ou les personnes, enfin voilà, c'est un travail de pro où ils travaillent des fois en collaboration avec des chercheurs, c'est éditorialisé, etc. Et même si je pense qu'il peut y avoir des stratégies aussi éditoriales derrière les contenus TikTok, on n'est pas sur le même niveau de conception. Et je pense que ce que les gens, enfin une partie des gens, donc, apprécient trouver sur YouTube et donc ce contenu dans un certain nombre de cas assez travaillé. Quand ils vont sur TikTok, c'est pour autre chose en fait, c'était plus pour se divertir et des fois on découvre aussi des choses, mais peut-être que justement pour approfondir, on reviendra sur YouTube, quoi. Donc c'est ce premier aspect, après là c'est un peu comme ça. Après je pense qu'il y a autre chose qu'il faudrait considérer, enfin là moi j'ai pas d'éléments, je sais pas si vous en aurez plus, c'est que aussi si on est sur le point de vue économique, on n'est pas, c'est pas les mêmes acteurs, on est sur un acteur à l'origine chinois,
Certes, qui a dû, je crois, créer aussi des choses en Europe pour réussir à maintenir le réseau. Mais ça change aussi des choses. Je vais pas vous donner une réponse précise, mais je pense qu'il y a quand même des enjeux à ce niveau-là sur qui est derrière économiquement et d'où viennent qui détient TikTok sur les objectifs à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Peut-être sur la différence YouTube-TikTok. Alors, encore une fois, comme on n'a pas fait d'études sur TikTok, c'est un peu, je voulais dire, sous forme d'une hypothèse. Mais j'aurais peut-être tendance à dire que sur TikTok, l'utilisateur a quand même moins de contrôle sur les contenus qu'il consulte. J'ai l'impression que l'algorithme a beaucoup plus de pouvoir, entre guillemets. Sur YouTube, bien entendu, l'algorithme joue un grand rôle. Mais je dirais qu'il y a quand même une co-construction entre l'utilisateur et l'algorithme des contenus proposés. Sur TikTok, compte tenu des formats qui sont beaucoup plus courts et beaucoup plus addictifs, c'est beaucoup plus l'algorithme qui fait le boulot. Alors moi, j'ai pas encore TikTok, parce que apparemment c'est très addictif, mais je le vois avec les reels Instagram, j'ai le sentiment qu'il arrive vraiment à savoir, il suffit que je regarde une seconde de plus un type de contenu pour que vraiment il me recommande les mêmes types, etc. Et je sens que j'ai beaucoup moins de contrôle que par rapport à YouTube, où là, je fais des recherches et mon algorithme me ressemble vraiment. En fait, dans la discussion qu'on avait hier, la comparaison que je fais, c'est une comparaison que seuls les moins de 20 ans peuvent faire. Quand même, ça peut leur parler. Moi, ça me rappelle beaucoup cette parenté entre YouTube et TikTok, ce qui a été à un moment donné la parenté entre les blogs et Twitter, quoi. La deuxième moitié des années 2000. C'est-à-dire que les blogs étaient vraiment des espaces avec souvent une information très fouillée, très argumentée, assez érudite, et des échanges qui se faisaient en fait par le biais de ce qu'on appelait les blog rolls, c'est-à-dire des liens entre blogs, où les gens se répondaient en fait par blog interposé, mais du coup avec une possibilité d'échanger de façon beaucoup plus large. Et quand est arrivé Twitter, j'ai vu tout un tas de blogueuses et blogueurs qui sont passés sur Twitter et qui ont complètement perdu cet aspect d'argumentation, de délibération, d'écoute aussi mutuelle. Et j'ai l'impression, alors, passant de l'écrit à la vidéo, il se passe peut-être quelque chose d'assez semblable entre YouTube et TikTok. Mais alors là encore, comme disait Raphaël, c'est purement à titre d'hypothèse. On n'a pas étudié TikTok. Donc c'est vraiment, il faudrait explorer ça. Et j'ai un petit peu ce sentiment-là, c'est-à-dire que sur YouTube, on peut trouver à la fois des contenus très superficiels, hein, c'est évident. Mais effectivement, il y a des choses aussi très pointues qui sont, et en plus sur des domaines qui souvent n'ont pas une légitimité en termes d'érudition, hein, justement, comme la beauté, comme le bricolage, etc. On va trouver des choses extrêmement fouillées, extrêmement pointu, extrêmement, extrêmement précis, et puis aussi sur des sujets qui ont une plus grande légitimité en termes de savoir, d'histoire du savoir. Et avec TikTok, le sentiment que j'ai, c'est que effectivement, on va être davantage dans une sorte de rétrécissement en fait de la présentation et de l'argumentation. Donc peut-être qu'il y a un mouvement semblable, mais à explorer. S'il y a des jeunes chercheurs, des étudiants qui réalisaient des mémoires là-dessus, ce serait super. Bonjour, je voulais juste contrebalancer ce que vous disiez par rapport à YouTube et tout TikTok, tout ça. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait qu'aujourd'hui, sur TikTok, on trouve des contenus qui sont, on va dire, plus superflus que sur YouTube. Aujourd'hui, on a beaucoup de vues, notamment pour les créateurs qui sont marginalisés, qui vont parler de sujets différents. Donc ça, c'est parce qu'en fait, c'est pas aussi facilement trouvable que sur YouTube. Il y a tout un autre système qui est fait. Par exemple, YouTube va être plus créateur orienté. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir, quand vous allez sur YouTube, vous pouvez très facilement avoir toutes les informations sur votre créateur, le nombre de likes de sa vidéo, le nombre d'abonnés, ses contacts sur votre plateforme. Alors que quand vous entrez sur TikTok, la première chose qui vous saute aux yeux, c'est le contenu. Quand vous ouvrez TikTok, vous allez avoir un petit espace pour le créateur. Et après, c'est des clics supplémentaires, vous avez un coup qui est supplémentaire pour avoir l'information du créateur. Aussi, un autre point qui est très important entre TikTok et YouTube, c'est que quand vous arrivez, c'est le contenu qui est sélectionné par TikTok pour vous, et vous avez après un autre onglet pour voir quand vous êtes abonné sur les créateurs. Donc vraiment, c'est deux logiques qui sont différentes par rapport à ça. Et aussi, je voulais savoir,
aussi mettre en avant quelque chose, c'est qu'on est sur la même dynamique entre YouTube et Twitch dans, dans l'éditorialisation des contenus. Donc d'abord, YouTube, ça commençait, on disait « Oh, je vais montrer les vidéos de mes chats, et puis ça va faire des millions de vues. » Pareil sur TikTok. Et maintenant, on se retrouve avec des contenus qui sont de plus en plus aboutis, de plus en plus travaillés. Et aussi un point dans lequel on a aussi une éditorialisation des contenus, c'est que TikTok a mis en place des studios pour ses créateurs, met en place des aides. Il y a tous ces points de vue-là qui reprennent en fait dans les codes de YouTube. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Désolée, je me suis parlé un peu longtemps. Mais oui, voilà, c'est dans le fonctionnement même de la plateforme, on est plus, voilà, TikTok, c'est la viralité, parce qu'en fait, on veut garder l'attention de la personne. C'est ça, c'est le côté addictif. Alors que YouTube, on est plus sur le côté du watch time. On veut faire garder l'audience au maximum pour les effets de réseau tels qu'ils sont, pour pouvoir garder l'attention. Et donc, du coup, on a sur une dynamique différente. Merci beaucoup pour ces précisions. Comme on l'a dit, on était un peu naïfs aussi sur le sujet. Donc, merci beaucoup. Il y avait une question derrière. Bonsoir. Je reviens un peu en arrière sur la question de l'extraction des données et leur usage. La manière dont vous l'avez présenté, personnellement, j'ai eu l'impression que l'utilisation des données extraites des utilisateurs de YouTube était utilisée en grande partie, quasiment exclusivement, sur l'algorithme de YouTube. Est-ce que on a des travaux qui explicitent les usages de ces données en dehors de YouTube? Est-ce que ces usages, si on les connaît, sont compatibles avec les règlements européens sur la protection des données? Et voilà, est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Moi, je ne suis pas assez spécialiste pour répondre sur ce point. En revanche, ce qui est certain, c'est que Google et Alphabet de façon plus large, hein, est toujours très, très réticent à ouvrir sa façon de travailler aux observateurs et aux observatrices. Donc, ouais, ce sera quand même très compliqué de parvenir à le savoir. En tout cas, par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment le cœur du réacteur, quoi, pour Alphabet, vraiment de compiler l'ensemble des données comportementales qui peuvent être récoltées sur l'ensemble des services. Hein. C'est en partie ce qui fait la force de ce type d'entreprise, c'est d'avoir capitalisé comme ça une connaissance et de pouvoir associer, alors parfois de façon statistiques un peu grossières, mais quand même d'avoir ce que ces entreprises appellent des patterns, des modèles d'utilisation, qui ne correspondent pas à des, j'ai envie de dire, des usages en chair et en os, mais à reproduire statistiquement ce que sont des modèles un peu collectifs, relativement récurrents d'utilisation. Quoi. Après, est-ce qu'il y a des travaux spécifiques là-dessus, sur la façon dont Google pourrait ensuite quelque sorte extrapoler cette exploitation des données vers d'autres activités ou les commercialiser auprès d'autres sociétés, je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Ouais, surtout qu'en fait, je pense la plus-value en fait de Google et Alphabet, c'est-à-dire que ils sont très opaques là-dessus parce que c'est ça qui leur permet, c'est leur travail à ce niveau-là, qui leur permet de faire la différence peut-être à certains niveaux, donc ils n'ont aucun intérêt à le faire connaître. Néanmoins, ce qu'on peut, pour avoir un peu peut-être au niveau utilisateur une idée en fait de ce que ça peut être, je pense qu'il y a quand même eu un changement important avec le smartphone et Android. C'est-à-dire que, concernant YouTube. C'est-à-dire qu'avant, YouTube, comme je disais, on peut toujours sur ordinateur s'y connecter sans compte. Donc là, on a certes les données de visionnage, lors de notre visionnage, avec les cookies éventuellement de notre navigateur qui sont collectés et puis traités. Mais avec Android et même sur iPhone, parce que sur iPhone, je crois qu'il peut aussi demander de se connecter à un compte Gmail. Si vous avez un compte Gmail connecté sur votre iPhone, il se met automatiquement en lien avec votre appli YouTube. Du coup, là, ça passe à un autre niveau.
C'est-à-dire que on passe que ce que vous faites sur YouTube est mis en lien avec tout ce que vous faites avec vos comptes Google et avec et voire même au-delà sur votre mobile Android, même avec des applis qui ne sont pas Google. En fait. Donc là, sans savoir ce qu'ils en font, vraiment, on peut imaginer simplement l'ampleur des données qui sont collectées et ensuite, voilà, c'est à la fois la complexité et puis le potentiel du big data, c'est-à-dire d'extraire des choses qui peuvent ensuite être réinvesties sur, soit sur la stratégie même de YouTube ou même sur d'autres aspects qui vont leur permettre de faire des produits commerciaux. Quoi, tout simplement. Tout à l'heure, je crois que c'est vous, quand vous parliez, vous aviez opposé YouTube avec les grands médias, mais justement tout à l'heure vous disiez que le chiffre d'affaires de YouTube était beaucoup plus conséquent que celui de par exemple TF1 ou M6. Donc comment se joue cette opposition? L'opposition elle se joue beaucoup plus dans les représentations collectives qu'on a et dans les usages qu'on a de ces différents des deux médias, les grands médias mainstream, comme je disais, voilà, c'est souvent une logique de flux, notamment la télévision. C'est TF1 et M6 qui font des programmes, tandis que sur YouTube, c'est nous qui choisissons les contenus qu'on regarde. Après, on peut toujours regarder des contenus qu'on retrouve dans les grands médias sur YouTube, des extraits de matchs de foot, etc. L'opposition, elle n'est pas complète. Cette opposition était surtout dans le terrain que j'ai fait, parmi les gens que j'ai été voir, qui justement étaient très critiques envers les grands médias, qui pouvaient d'ailleurs toujours les regarder, mais qui trouvaient justement sur YouTube des contenus politiques qu'ils ne trouvaient pas, ou en tout cas pas assez, dans les médias traditionnels. Je pense que c'est vraiment à ce niveau-là que l'opposition elle se joue, c'est tout simplement que YouTube, il y a la place pour des contenus alternatifs, des contenus minoritaires, des contenus marginaux parfois. Alors que dans les grands médias, c'est beaucoup plus difficile et c'est également beaucoup plus difficile pour les créateurs de contrôler l'image qu'ils vont donner. Quand un groupe minorisé va être dépeint dans les médias, en général, il a peu de moyens de se contrôler lui-même. Par exemple, moi, je fais un test sur les Gilets jaunes, qui adorent YouTube. Les Gilets jaunes, c'était très difficile pour eux d'être représentés correctement, ou en tout cas de manière conforme à ce qu'ils attendaient dans les médias. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les bonnes accès, les responsables politiques, etc., pour pouvoir contrôler leur image médiatique. Or, justement, sur YouTube, les gens ont beaucoup plus de contrôle. Les Gilets jaunes pouvaient faire leur propre chaîne YouTube, par le jeu des données, approuver et valoriser des chaînes YouTube qui sont qui étaient issues du mouvement. Par exemple, là, je fais un travail de recherche sur François Boulot, le canard réfractaire, qui sont issus de ce mouvement-là. Voilà, donc, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là que ça joue. Juste pour compléter, dire qu'il y a des passerelles entre ces deux univers. Il y a un chapitre, alors je ne sais plus, le chapitre 7, sur les MCN. Alors, les MCN, c'est les Multi-Channel Networks. En fait, ce sont des agences qui essayent de gérer la carrière des YouTubeuses et des YouTubeurs. À partir du moment où elles commencent à réaliser une certaine audience sur YouTube, où elles ont une forme de notoriété, ces youtubeuses et ces youtubeurs peuvent prendre la tâche auprès de ces agences pour avoir des opportunités de valorisation de leur activité sur d'autres canaux que YouTube, multi-channel network, donc d'autres chaînes et d'autres réseaux. Et donc ça peut être la télévision, ça peut être aussi le spectacle vivant, avec du stand-up, notamment pour les humoristes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc c'est assez bien expliqué dans ce chapitre, c'est que les multi-channel networks en question, souvent, sont des agences qui ont été créées ou rachetées par des groupes de télévision, notamment M6, TF1, Canal+. Bon, en général, il y a deux multi-channel networks qui sont assez connus, enfin, pour les gens qui s'intéressent un peu à YouTube, c'est Studio Bagel et Golden Moustache. Et puis, vous avez une entreprise qui est très active là-dedans, qui est un peu moins connue au-delà de TF1, de M6, Canal+, c'est Webedia.
Et Webédia, il faut savoir, c'est une entreprise qui agit justement à la fois dans les médias, mais aussi dans le spectacle vivant. Hein, Webédia, c'est aujourd'hui des sociétés qui possèdent un des plus grands réseaux de tourneurs dans les salles de spectacle pour les concerts, etc., etc. Donc, ils sont vraiment non seulement sur cet univers télé, mais aussi sur vraiment tout l'univers spectacle vivant, concerts, stand-up, etc., etc. Donc, oui, oui, il y a des passerelles. Hein. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que aussi au niveau des formats, parce que vraiment dans cet ouvrage, ce qui fait un peu l'originalité de l'ouvrage, c'est vraiment d'essayer de penser toujours en même temps les trois aspects, quoi, à la fois le sociologique, l'économique et le sémiotique, la mise en forme. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui va être recherché par la télévision, ce sont quand même les codes esthétiques de YouTube, hein, pour valoriser une image, etc. Ce que peuvent chercher aussi des tourneurs de spectacles vivants, c'est des personnes qui se sont fait connaître sur YouTube. Et on ne leur demande pas de changer, en fait, cette image. On leur demande de la garder parce que l'espoir, c'est de conquérir un nouveau public supposé de plus jeune, etc. Donc, il y a non seulement des circulations de personnes entre ces différents univers, entre numérique, télévision, spectacle vivant, mais aussi des circulations de formes esthétiques. C'est assez intéressant. Oui, j'ai éteint. Juste un exemple très récent qui illustre ce qui vient d'être dit, c'est Hugo Décrypt, qui a commencé sur YouTube et qui maintenant a une émission sur France 2 avec Thomas Pesquet, etc. Donc, quand vous l'avez interviewé dernièrement, Thomas Pesquet. Donc, clairement, quand je disais que pour bien, c'est le coup, l'opposition, elle peut être chez certains publics, mais elle est loin d'être partagée par tout le monde. Moi, c'était vraiment un peu particulier. La preuve, voilà, les vidéos Top Chef, Danse avec les stars, on les retrouve sur YouTube. Et comme ça a été dit, bah, maintenant, il y a des gens qui de YouTube passe à la télévision. Alors, dans le sens inverse, bah, il y a des politiciens, Mélenchon qui était un personnage télévisuel, est devenu un peu un des premiers YouTubeurs politiques de France avec sa chaîne qui a bien marché lors des élections. On le voit également avec Twitch, même si c'est pas YouTube, on peut imaginer des logiques similaires. Par exemple, Samuel Etienne, qui était animateur sur France 3, qui est devenu une star de Twitch. Donc, clairement, il y a plein de circulations possibles. Peut-être juste pour finir sur ce point, hein. Faut aussi, même si on sait que les jeunes regardent moins la télévision, ce média-là n'est pas mort pour autant, au final. Enfin, il reste très regardé, en tout cas si on prend le cas de la France, je pense que c'est le cas dans d'autres pays occidentaux aussi, par une grande majorité de la population. Quoi. Donc voilà, je pense que, comme tu dis, sur certains aspects, il y a une forme d'opposition. Mais globalement, ça devient plus des choses complémentaires, en fait, et chacun cherche à tirer le meilleur parti de chaque parti, au final, que ce soit télé ou autres médias et YouTube. Mais voilà, j'insisterai juste sur le côté, en fait, des voix minoritaires. Par contre, là, que ce soit, comme vous disiez, là, par exemple, pour certaines questions idéologiques ou politiques, mais aussi, voilà, par exemple, des minorités raciales, homosexuelles ou autres. Que ce soit sur YouTube, mais aussi là sur d'autres réseaux, en fait, vont trouver une possibilité d'expression, en fait, qui n'existe pas nécessairement dans les médias traditionnels parce qu'il y a des problèmes d'accès, en fait, où là, en fait, pour communiquer sur YouTube et des fois atteindre un large public, on n'a pas besoin d'avoir déjà un réseau, d'avoir tel diplôme, etc., de pouvoir rentrer dans tel média. Et ensuite, ce qui ressort notamment dans les recherches, il y a notamment Da Silva, qui a fait un travail, qui a publié plusieurs articles sur les afroféministes en France sur YouTube. Et il montre que une des choses qui était importante pour ces personnes-là, c'était aussi justement maîtriser en fait leurs paroles et ce qu'on peut dire d'elles. Et ça, on le retrouve dans d'autres communautés aussi, cette maîtrise de la parole pour les personnes qui n'ont pas accès aux médias traditionnels. Et là, voilà, ça se passe sur YouTube, mais je pense qu'il faut pas, c'est pas spécifique à ce réseau-là. On le retrouve aussi sur d'autres réseaux, et c'est une des choses, comme disait, des choses positives et constructives que peuvent apporter les réseaux sociaux numériques. Et je sais que sur TikTok aussi, c'est des choses qu'on peut retrouver aussi aujourd'hui. Je ne sais pas si on a le temps encore pour, aussi pour une dernière question. Et merci pour vos travaux. Pour mon temps. J'avais une question un peu. Je répondais à une question.
c'est sur le modèle économique. Donc c'est surtout des annonceurs qui sont envoyés quand on a regardé du contenu. Mais il y a quelques années, ils avaient sorti leur abonnement premium pour avoir accès au centre et tout ça. Et il me semble qu'en même temps, ils avaient essayé de faire de la production un peu de série, peut-être plus ressembler aux plateformes, etc. De mon point de vue, je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup marché. Donc, ils avaient beaucoup investi dedans, donc je ne sais pas exactement quelle était leur vision et leur projet derrière. Ça fait écho à une question qui est très bien. Est-ce qu'au final, ils ne passent pas tout sur les annonceurs? Parce que je sais qu'il y a quelques années, il y a eu des alertes un petit peu lancées par les créateurs qui n'étaient pas très bien reconnus. YouTube, ils étaient un peu. Ils avaient un rapport de force très moindre par rapport aux annonceurs de réclamation, etc. Je te laisse plus longtemps. Oui, juste pour revenir sur le rapport de force, pour faire un peu écho à ce que je disais juste avant sur les paroles des minorités, ce que je sens, c'était aussi un axe de l'ouvrage, de questionner un peu cette question de la liberté d'expression. Il y a une réelle ambivalence au final, c'est-à-dire qu'à la fois, oui, il y a un espace d'expression qu'on ne trouve pas ailleurs, mais avec les enjeux de monétisation, des fois, c'est un espace d'expression où les gens publient la vidéo, mais elle est tellement invisibilisée au final par les algorithmes et la démonétisation que en fait, c'est comme s'il se passait rien, quoi. Donc c'est vrai que ce rapport de force, c'est un élément important au final, à la fois dans la logique économique mais aussi pour les créateurs et créatrices. Mais je vais laisser Franck en discuter comme plus spécialiste. Oui, alors effectivement, pour ce qui concerne le financement par l'utilisateur, c'est-à-dire lorsqu'il paye véritablement pour accéder à un service, donc un service préférentiel. En l'occurrence, lorsqu'il y a des abonnements YouTube dits premium, tout simplement des abonnements YouTube sans publicité. Donc ça reste mineur aujourd'hui dans le chiffre d'affaires d'Alphabet, de YouTube. Est-ce que ça évoluera par la suite? J'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal. Mais c'est mineur, mais ça reste quand même plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros. L'échelle de YouTube. Mais disons que c'est loin de constituer quelque chose de substantiel en proportion dans l'ensemble des recettes de YouTube. Ça, c'est certain. Et alors, sur le second point, en fait, à un moment donné, ça rejoint ce que disait Yvette tout à l'heure, c'est qu'en comparaison des médias traditionnels, les médias traditionnels, même s'ils ont beaucoup perdu en termes de part de marché publicitaire par rapport à YouTube au fil des années, ils gardent quand même un avantage qui est celui d'assurer un contexte éditorial entourant les espaces publicitaires, qui est un contexte éditorial qui reste contrôlé, qui reste qualitatif. C'est-à-dire que justement, si quelqu'un, un annonceur achète un spot publicitaire sur TF1, sur M6 ou sur France Télévisions, même aux horaires où on peut placer de la publicité, on sait que ce sera associé à tel ou tel type de contenu. Et donc, on peut éviter effectivement de se retrouver avec des contenus qui sont complètement en décalage avec la publicité qui est proposée. Donc ça reste un avantage quand même pour les médias traditionnels. YouTube s'est heurté à ce type de problème, donc surtout en 2017, il y a eu ce scandale, effectivement, donc il y a un article aussi dans le chapitre, voilà, si vous voulez vraiment lire de façon plus poussée, chapitre 6, là, en 2017, il y avait le YouTuber qui était en fait celui qui réalisait le plus de vues à l'époque, s'appelait PewDiePie, qui effectivement, dans une vidéo, il a présenté ça comme une blague de très mauvais goût, mais effectivement, en fait, c'est quelque chose d'antisémite, en France, ça aurait été condamné. Aux États-Unis, sur le coup, la liberté d'expression de façon complètement maximaliste, ça ne l'a pas été, mais en France, ça aurait été condamné, ce type de propos. Et donc, il y a des annonceurs qui ont vu la promotion de leurs biens et de leurs services accolés à ce type de contenu. Donc, évidemment, ça a posé un problème. Donc là, à partir de là, YouTube s'est lancé dans une modération commerciale, en fait, des contenus, sauf que les vidéos sont tellement nombreuses que YouTube ne peut pas contrôler chacune des vidéos.
Et comme la publicité sur YouTube est une publicité qui, pour l'essentiel, est programmatique, c'est-à-dire qu'en fait, elle est assistée par ordinateur, pour le dire vite, les annonceurs, en fait, vont simplement demander à s'adresser plutôt à tel type d'utilisateur et non pas forcément pour tel type de contenu. Donc, on ne peut pas savoir vraiment quel contenu est associé à la publicité. Et comme YouTube n'a pas les moyens de contrôler l'ensemble des vidéos parce qu'elles sont trop nombreuses, en fait, le moyen qui a été trouvé par YouTube, c'est de décréter un seuil de visionnage. Alors, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est un certain nombre de dizaines de milliers de vues pour une vidéo. Et à partir de ce moment-là seulement, ou pour un vidéaste, à partir d'un certain seuil aussi de nombre d'abonnés, le vidéaste en question est considéré comme étant un vidéaste sérieux. Et la vidéo en question est considérée comme étant une vidéo sérieuse, parce que sinon, elle aurait été signalée et elle aurait été dénoncée par d'autres personnes à la plateforme. Voilà, donc c'est un moyen très, très grossier, encore une fois, hein, parce que c'est à une échelle vraiment macroscopique. Hein, c'est un moyen très grossier pour s'assurer d'avoir globalement des vidéos qui ne soient pas des vidéos délictueuses ou frauduleuses, etc. Et donc que les annonceurs soient rassurés. Hein. Ce qu'ils appellent les tactiques de brand safety, hein, donc de sécurisation des marques. Et donc la seule solution qui a été trouvée pour l'instant, c'est d'imposer des seuils de visionnage et des seuils de nombre d'abonnés aux vidéos pour garantir une sorte d'autocontrôle de la plateforme en se disant que si vraiment les vidéos n'étaient pas correctes, elles seraient dénoncées par les personnes qui les visionnent. Voilà. Alors, je rentre pas dans les détails. C'est beaucoup mieux expliqué dans le chapitre. Il faut savoir aussi qu'il y a des tentatives pour contrôler le contenu à partir d'une reconnaissance des formes, etc. Mais en fait, ça ne marche pas très bien. Et puis surtout, ça laisse de côté tout ce qui va être un usage du second degré, un usage de la dérision, un usage de l'ironie, etc. Donc ça marche beaucoup moins bien. Donc c'est pour ça que c'est le seuil principalement du visionnage qui est utilisé. Malheureusement, cette belle rencontre se termine, parce qu'il faut tenir aussi les horaires. Nous avons été vraiment très captivés pour cet entretien qui nous a tous intéressés. Ce sujet d'actualité dont on connaissait tout, mais pas tout s'est passé. Donc, merci beaucoup. Merci. Et on remercie aussi tous les présents d'être venus. Et on espère aussi de vous voir bientôt avec d'autres ouvrages que vous allez présenter à la Bibliothèque de l'Astronomie. Ou d'autres auteurs de CF. Oui, on remercie aussi l'éditeur. Et je vous rappelle toujours que vous pouvez acheter, si vous le souhaitez, l'ouvrage. Merci beaucoup. Je vous donne aussi quelques pour les prochains. Disons que la prochaine rencontre à la bibliothèque aura lieu le 17 novembre à 18h. Donc, si vous aimez participer, on vous attend avec plaisir. Et pour une soirée du cycle Lettres à table autour d'un livre dont le titre c'est Pour en finir avec la passion, l'abus en littérature. C'est avec cet ouvrage, les auteurs vont nous interroger en profondeur sur les raisons pour lesquelles dans la littérature l'amour demeure indissociable de la souffrance. Donc merci encore pour votre présence. Excusez-moi pour mon français un petit peu. Non. Merci. Merci. Merci beaucoup à tous.